aujourd'hui, on va faire des friandises fait maison pour hamsters. Donc pour ceux qui n'ont pas les moyens en fait de s'acheter forcément des friandises, on va en faire des maisons et des très bons pour la santé. Je vais vous montrer du coup les étapes, les grammes et les ingrédients qu'il faut prendre. C'est parti, c'est super simple à faire. On y va. Pour les ingrédients, il vous faut du coup 100 g de flocons d'avoine. Vous pouvez en prendre 200 ou 100 en fait, ce n'est pas grave, vous pouvez en mettre la quantité que vous voulez. Moi j'ai préféré en mettre 100 parce que j'en veux pas beaucoup. Un œuf. Et déjà avec ça vous pouvez faire des friandises. Mais moi je préfère rajouter des carottes avec, comme ça c'est sûr que c'est plus important. Vous prenez de l'eau à disposition, donc il n'y a pas forcément dosage. Tant qu'il y a de l'eau c'est bon, je vais vous montrer comment faire. Du coup un emporte-pièce pour faire des formes rigolotes si vous voulez. Du papier sulfurisé. Ça, je sais plus comment ça s'appelle. Enfin bref, il faut ça. Et une plaque de cuisson. Du coup c'est parti, au fait d'ailleurs je vais vous mettre la liste parce que juste avec des flocons d'avoine vous pouvez faire des friandises pour l'hamster. Mais si vous voulez rajouter, par exemple moi je rajoute des carottes donc vous n'êtes pas obligé de rajouter des carottes. Mais vous pouvez rajouter de la pomme, de la poire, de toute façon je vais vous mettre la liste de ce que vous pouvez rajouter. Et dites moi si le concept vous plaît. Du coup voilà c'est parti. Donc bien sûr avant de commencer on se lave les mains, moi c'est déjà fait. Donc on va d'abord prendre notre œuf et on va du coup mettre que le blanc de l'œuf. Met you by surprise. I didn't realize that my life would change forever. Saw you standing there. I didn't know I'd care. There was something special in the air. It's about to get sweaty. Last night really was the cherry on the cake.